Besançon revient finalement. C'est quoi? C'est le nombre de tirs ratés que vous avez, c'est la, je sais pas, la pression en défense. Ouais, c'est, ça vient forcément de Besançon qui a pas lâché, qui s'est bien battu. Mais aussi nous, on a relâché les tirs à 6 mètres dans le paquet, je pense, les immanquables. Et après en défense, on s'est fait percer central, alors que normalement 6-0 doit empêcher ces tirs-là. C'est autant notre faute que la leur. Bon, alors en tant que capitaine de Besançon, là ce soir vous perdez encore d'un but contre Aix, c'est la deuxième fois cette année. Quel est ton sentiment? On est un peu déçu, c'est sûr, quand on perd comme ça dans les dernières secondes. Mais je pense que c'est de la bonne déception parce qu'il y a vraiment une grosse équipe. Aix-en-Provence, c'est très très costaud, je leur souhaite d'ailleurs le meilleur pour l'année prochaine. Mais voilà, nous on a montré qu'on pouvait exister, qu'il se fait. On faisait des choses bien aussi à Besançon, une belle équipe, un beau club qui se structure et on espère qu'un jour on arrivera à ce niveau-là de production comme le fait Aix-en-Provence depuis le début de l'année au niveau de la régularité. Et voilà, on a montré que sur un match on était capable de jouer dans la cour des grands quoi. Et sur un match. Merci.